À Berlin, le musée Martin Gropius-Bau a imaginé une exposition au temps de la Covid-19 et qui se questionne sur notre rapport au monde, comment changer nos habitudes et aller vers un monde durable. Down to Earth, ici-bas sur la Terre, s'ouvre sur une grande flaque d'eau avec les traces et les vestiges de ce que l'homme laisse sur la Terre. Et au mur, l'Antarctique, continent vierge s'il en est. Nous vivons sur ce monde et nous ne pouvons pas continuer comme au 19e et 20e siècle, lorsque nous ne vivions pas consciemment sur Terre, mais que nous l'utilisions pour des ressources soi-disant illimitées, et que nous utilisions cette Terre ou Gaïa en grec pour un usage sans limite. Notre planète est la nature sous toutes ses formes, traduisant l'incroyable complexité de la vie. Mais les organisateurs ont également voulu que l'exposition soit durable. Nous émettons aussi du CO2. Une exposition comme celle-ci émet du CO2, et quand le responsable de l'exposition m'a demandé de le rejoindre, je lui ai dit « Mais nous devons examiner notre propre démarche. » Et c'est pourquoi nous n'utilisons pas d'électricité et pourquoi tous les participants sont venus ici en train. Comment pouvons-nous changer durablement notre mode de vie, de travail, d'alimentation, de voyage ou d'exposition? Pour répondre à ces questions, Down to Earth rassemble les œuvres de plus de 50 artistes, jeunes pour la plupart, à Berlin, jusqu'au 13 septembre 2020.